c'est... torture pas les pédales. J'aime bien la violence. Non, tu casses tout. Bonsoir et bienvenue chez Palf où on casse des pédales en live. Non. Par contre, on va vous faire un pédalboard pour jouer du rock. Ouais. Allez, viens, on se met ça. On a prévu sur palf.fr de vous faire un petit guide d'achat. C'était votre demande. Hein. J'aurai plus d'explications sur l'autre épisode Jazz Fusion, si jamais vous l'avez déjà vu ou si jamais vous allez le voir plus tard. Mais en gros, voilà, l'objectif, c'est de se donner un style de jeu. Et soit 3, soit 6, soit 10 pédales. Ouais, pour 3 ou 6 pour l'instant. On a pour l'instant, c'est 3 ou 6. Ouais. Le 10, tu l'as rajouté, je l'aime bien. Je me vois bien avec un board de 10 pédales. Ça ne me dérange pas. Ouais. Et donc là, tu m'as dit rock 6. Ouais, pourquoi rock 6? Parce que pour du rock, j'ai envie d'avoir du choix dans le drive. Bah là, t'as du choix, ouais. Et j'ai pas envie d'avoir que du drive. Donc en fait, on aurait pu faire un rock en 3 pédales, mais il n'y aurait eu que des pédales de drive. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ce qu'il fait aussi. Oui, tout à fait, mais là, on avait envie d'avoir un peu plus de variété. Donc toi, un rock 3, en fait, on prend que les drives. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Mais là, on est sur un rock 6. On est sur un rock 6 pour avoir un petit peu de saveur. Un petit peu ça. Alors, avant de démarrer la vidéo, je t'ai dit, bon, c'est quoi? C'est du garage, c'est du pop, c'est du hard rock? Non, finalement, t'as du mal. C'est un peu une introduction au rock. Ouais, là, en fait, on peut faire, je pense, à peu près, peut-être à part du métal. Oui, à part du métal, ouais. Je pense qu'on peut faire vraiment... on peut taper très large en termes de rock avec ce pedalboard. Selon l'ampli, tu peux faire facilement du stoner... Ouais, mais pas du métal. Mais du métal, ouais, chaud. Ouais, non. Chaud. Non, métal, non. Chaud, métal, pas, ouais, non. C'est pas adapté. Mais on peut taper quand même très très large avec tout ça. Et on est à la basse, hein. Enfin, ouais. Vous l'avez vu, on est à la basse. Mm. Mais c'est vrai que là, t'as envie de t'éclater aussi à la guitare avec ce board. Ah, tu peux, tout là, à fait. Ah oui, là, ouais. Il est... Ben, ouais. En fait, il pourrait très bien marcher pour les deux, quoi. Ah, il marcherait pour les deux. Il ouais. Est chaîné ultra chelou, on va en parler. Ah ouais? Ah oui, là, il est chelou, là. Pourquoi? Il y a des gens, ils comprennent pas. Bah, déjà, la Tone Bender qui est pas en première. Mais on a dit qu'on s'en foutait. On s'en fout, justement, j'allais en parler parce que c'est la Taras Bulba de Run Beaver qui a une simulation de micro sur l'entrée. Oui. Donc on s'en fout. Voilà. Et on l'a vu, hein, quand on l'éteint, ça pas, c'est pas pareil du tout. Hein. Ouais. La wah, qui est pas au tout début. Ah, moi je préfère après. Ouais, toujours. Ouais. Mais alors, je pense qu'à la guitare, par contre, c'est un peu too much. Ok. Déjà, à la basse, c'est pas mal, hein. C'est vachement présent. Ouais, ouais. C'est un peu le but, c'est ta hein, façon ouais. De faire. Ouais, ouais. Je trouve ça cool. Mais c'est particulier. Ok. C'est particulier. Et le chorus, ça, c'est plutôt ma touch. Moi, j'aime bien le mettre avant la Savage. Ouais, ok. Ça permet de le calmer un peu, de ne pas être trop là. Donc, okay. Tu verras, selon si on active ou pas la Savage, ça va être différent ton chorus. Ok, ça marche. Alors, et bon. On finit avec une petite... enfin, une petite, non. Une petite, une grosse reverb modulée. Ouais, ouais, qu'on aime beaucoup. Ouais, elle est belle. La slow, slow, slow. Moi, je dirais slu. Slu. Je sais pas, il y en a ouais. Qui parle le truc comme ça, avec un tréma. Je dirais slu. Allez, on dit slu. C'est très bien, ça. Alors, moi, je suis plus de, tu vois, Team Fathom, chez eux. Fathom. C'est la reverb modulée aussi. Ouais. Mais, je sais pas, je préfère. Elle a un sustain infini qui me fait un peu rêver. Ok. Bon, écoute, et... sur celle-ci, je... Et justement, au stage guitare, je parlais avec Pierre, un copain, et aussi voilà, qui était venu au stage, qui m'a dit « Non, mais il faut vraiment que tu essaies la slew. C'est encore plus modulé, c'est encore plus pété. Mm-hmm. » Et il a raison. Je l'avais testé avec toi, je crois. Au Beffroi. On n'avait pas fait une vidéo Walrus ensemble? Au Beffroi. Non, au Beffroi, tu m'as fait faire un concert avec un pédale. Ouais. Mais ça, je ne sais plus avec qui on a fait la vidéo Walrus, je pense que c'était avec Swan. Elle m'avait déjà fait un petit peu de l'œil. Et là, en la retentant... Ouais, mais elle est cool. Elle fait quelque chose. Ah ouais, elle fait quelque cool. Chose. Déjà, dans le registre rock, tu me dis que de base, t'as besoin de drive. Ouais, alors... C'est quoi ton besoin en général, si tu veux le définir? Si je veux définir... Si on oublie ce pedalboard, tu vois. En rock, à la base, t'as besoin de faire quoi en général? Bah, si on est sur un truc vraiment où j'ai besoin de taper large, ouais, on va dire. Tape large, pour, vas-y. Pour parler poliment. Ouais, ouais. J'ai besoin d'un overdrive léger. Donc la Savage qui est là. Voilà. Ouais. J'ai besoin d'une disto, j'ai besoin d'une fuzz. D'accord. Moi, j'aurais dit, tu vois, un overdrive léger et un overdrive... un peu plus couillu, mais quand même avec de la transparence. Tu vois, genre, stacker la Savage avec, par exemple, l'Antares ou autre chose, tu vois. On aurait pu faire ça. Ouais, on aurait pu faire ça. On aurait pu faire ça. Moi, c'est ce que je ferais en tout cas à ta place. Et si on pousse le gain de la Savage? C'est pas forcément l'idée, mais on peut. On n'est pas la guitare, là.
On n'est pas à la guitare, oui, c'est vrai. Bah, c'est, ça va faire ça. Ça ouais. va faire ça. Et ben, on essaye. Allez, on essaye. Moi, j'irai pas plus loin que ça, tu vois. Bien. Et là, ton clean, c'est le HX Tomb toujours. Hein. T'as une simu d'ampli. Ouais, très on n'est pas, dans la DI là, on est sur une simu quand même. Ouais, tout à fait. Tout ok, tout à fait. Très bien. Oui, c'est vrai que tu peux aller jusque là. Ouais, de toute façon, j'irai pas plus loin. Au-dessus, regarde, c'est moins joli. Là, on est bien. Là, on est très bien. Alors, tu sais que dans les Clone Center, bon, la Savage, c'est un peu différent, un peu modifié, mais le potard de gain, c'est un potard double action. Ça donne d'un côté du gain et de l'autre ça fait un dry wet en fait. D'accord. C'est un potard de gain magique dans la Clone Center. Bah, c'est pour ça que ça marche bien la basse. Eh oui. Ouais. Donc ça, est-ce que c'est ta base de son ou tu l'actives que au besoin? En fait ma base de son, bon, ça reste quand même du clair au cas où. Ok. Ou alors, vraiment, ça c'est une bonne base de son. Ah. Ça c'est une bonne base de son. Donc dans le pedalboard Rock 10. On rajouterait une petite, un petit overdrive pour stacker, tu vois. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc les autres gains, ça te sert à faire quoi, par exemple? Bah après, ça dépend encore une fois du style dans lequel on est. Bah, la fuzz, concrètement, c'est pour tout ce qui va être, on va dire, plutôt stoner. Envoyer un gros passage. Ouais, truc bien gras. Ouais. Et puis la disto, c'est pour... saturer très fort en gardant de la dynamique, et pour ça la rate elle est quand même très 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 bien. Ok, et donc ça c'est des trucs que tu actives ponctuellement quand tu veux mettre un petit coup de violence. Ah ouais, bah c'est... en fonction des passages, en fonction des morceaux, c'est genre coucou de... c'est moi, taisez-vous, j'arrive, je suis le bassiste de cette scène. C'est pour écraser les guitaristes, quoi. Ah ouais, là t'écrases tout le monde. Ouais. Bon, est-ce que le public reste après ça ou pas? Bon, on espère. On laisse la Savage et on l'éteint, ouais. Et on compare, vas-y. Alors, je commence par la rate. Ouais. C'est lourd. C'est super lourd. Ouais, on aime beaucoup. Bon, en même temps, je t'ai mis la pâquerate, la petite dernière de JHS. Bon, on tourne ça début novembre. Mm. Je sais pas quand la vidéo sortira, mais c'est un peu monstrueux cette pédale. Ouais, alors il y a deux presets qui marchent très bien à la basse. Ouais, toi t'aimes bien la Dirty. Et la... La JHS. Ouais, voilà. Je t'ai mis la Bérate à un moment. Alors j'avoue, je me suis pas rencardé sur qu'est-ce que ça veut dire à chaque fois. En fait, c'est une pédale qui prend toutes les versions de la rate dans une pédale. Okay. Bon, ça coûte un petit peu quand même, c'est 289€, je crois. Ça coûte moins cher que d'avoir toutes les rates. Et il y a vraiment toutes les rates dedans. Okay. C'est-à-dire, Josh, il s'est amusé à comparer chaque rate avec son circuit et à les intégrer. Okay. Donc, t'as plus de 250 composants ou une connerie comme ça dedans. Ah oui, d'où aussi le prix. Ouais. Voilà, t'as 2-3 PCB qui s'imbriquent. Ça vaut son argent. Ok. T'as vu, ça allait bien avec la Savage? Ça marche très très bien avec. Ouais. Donc là, en effet, les autres musiciens se taisent et te laissent jouer. C'est le but. On a
pour continuer dans ce registre, la Taras Bulba de Drunk Beaver. Ouais. On l'a vu dans un autre épisode, comparatif de fuzz. Mm-hmm. Sa particularité, c'est la simulation de micro. Ouais, ce dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, ouais, je racontais qu'en fait, le problème avec les fuzz, c'est que ça a été développé à l'âge de pierre, où on avait des Marshall poussés à fond et juste une guitare qui rentrait dans une fuzz et voire peut-être une oie. C'est tout. Mm-hmm. Et donc, à cette époque-là, plutôt une vibe aussi. C'était pas calculé avec des bonnes impédances, c'était juste, vas-y, branche-toi et joue. Mm. Et c'est le problème, si jamais je veux mettre ma Taras Bulba à la fin, on peut pas en théorie, parce que le circuit ne va pas sonner comme il devrait. Et là, grâce à ça, c'est magique. On l'avait vu tout à l'heure, parce qu'on avait mis la voix au début. Ouais. Et quand j'avais pas mis la simulation de micro, c'était dégueulasse. Ouais, ouais. Dès que je l'ai rajouté, c'était 100% mieux. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc on est sur une Tonebender Mark II. Ouais. Et là, je crois qu'elle est déjà réglée comme thème. Ouais, en plus, ce qui est bien avec... Pourquoi le choix de cette pédale, c'est qu'elle est... elle marche très bien. Elle est assez neutre, dans le bon sens du terme. Tu veux dire que c'est une fuzz qui fait fuzz, quoi. Ouais, c'est pas un truc trop barré, genre la Fuzz Factory et tout. C'est vraiment un truc qu'on va pouvoir utiliser régulièrement. Ouais, ça fait de la fuzz. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est... T'as pas d'octave up, t'as pas d'octave moins 1, ça fait le job. Par contre, si tu cherches une Tonebender, c'est une Tonebender ultra complète. Ah ouais, elle est trop bien. Ultra complète. T'as envie d'essayer, hein. Vas-y. C'est cool. Beau, hein. C'est beau la fuzz. Or beau non, mais... Ah si, c'est beau, c'est élégant, c'est ce qu'on aime. Non, elle est très bien celle-là. Ouais. Je suis content, on arrive à reprendre des principes de guitariste avec une basse. Hein. Mais en fait, ce qui est trop cool avec ce pedalboard, c'est comme tu disais, enfin on s'en est rendu compte là en le voyant. J'ai envie de le jouer à la guitare aussi. C'est si vous êtes et bassiste et guitariste et que vous voulez faire du rock, bah ça. Achetez voilà. Achetez. Il n'y a pas à chier quoi. Ouais, achetez. Ouais, ouais, mais c'est bien. Acheter, pas acheter, acheter. Tu fais mon travail, c'est bien, Antonin, tu me remplaces. Je vais te laisser, je laisse finir la vidéo. Non, mais c'est génial. Puis là, pour le coup, cette Tonebender, elle m'a surpris sur ce tournage. De ouf. Bon, le nom, le design, je sais pas. Bon, c'est pas ce qu'il y a de pire chez eux. Oui. Mais... La fluff est quand même. Fluff. Ouais. Fluff. Ah. Non, ça y est, un petit peu. Tous les produits sont bons. Mais voilà, il y a un truc sur le design et il y a un petit côté hipster, il y a un petit côté... non, ça peut le faire. Mais en tout cas, ils sont bons chez Drunk Beaver. Enfin, il est bon. Vitaly, bravo. Mmh. Bravo, Vitaly. Ça aussi, franchement, c'est validé. Hein. Ah oui. Ouais, c'est validé, ouais. Pour l'instant, on valide tout. Pour l'instant, on valide tout. C'est plutôt bien. Mmh. Ok. C'est un guide d'achat, en plus, c'est plutôt pratique. Mais tu vois, nous, on s'auto-valide, on s'auto-congratule. En fait, on teste tout le temps les pédales avec vous en vidéo. On a une idée vague de ce qu'on va vous présenter en amont. On a dit, bah tiens, je verrai bien ça. On teste vite fait et après, on s'auto-valide, quoi. Ouais. Mais vous en pensez quoi? Moi, pour moi, les drives, on est bien. J'aurais rajouté quand même un petit overdrive. Ouais. Mais c'est Rock 10, du coup. Ouais, voilà. Ou alors, on vire cette wah-wah, quoi. Ouais, c'est la petite épice, c'est la Rissa. La Rissa, ouais, d'accord, ok, voilà. La petite Rissa, ok. Alors, la wah-wah, pour le coup... Bah justement, on en parle, pourquoi? On va pas l'utiliser en son clair. Oui, j'imagine. Ouais, ou alors très peu, sauf si c'est du rock un peu funky. Non, tu là, tu mets Savage, Rat, ouais, et wah. Ouais, voire même la fuzz, hein. Même la fuzz, ouais. Vas-y. C'est allez. Vraiment pour créer des effets de sweep, tu vois, de... Wow.
on vous conseille une Wawa peut-être un peu plus adaptée à la basse. Ouais, elle est un peu aiguë celle-là. Ouais, un peu trop agressif. Ouais. Donc il y a plein d'alternatives. Je pense qu'il y aura des trimpots quand même sur les Wawa aujourd'hui. Je sais pas. Je pense que ça doit se régler quand même. Ouais, ouais. J'espère en tout cas. Moi je réglerai la course un peu plus basse. En son clair quand même au cas où. Allez, au cas où. Voilà, il fallait le faire. T'es plus dans le rock là. Bah, rock funky quoi. Rock funky, ouais. Ouais. J'aime bien les teintes comme ça. Ok. Bon, validé la voix. Validé. Mais c'est comme tu disais, c'est la Harissa. Ouais. Tu peux t'en passer de la Harissa. Ouais, mais en même temps, c'est bien, t'es bien en tartinette partout. Bah, quitte à avoir six pédales, tu vois, autant. Ouais, d'accord, ok. Putain, c'était bien le rock funky. Alors, excuse-moi, j'ai un peu de latence, mais c'était bien. Ouais. Alors, le chorus, bah, en fait, soit on est dans du rock un peu, on va dire, new wave. Ouais. Donc, on va avoir un chorus parfois un peu exagéré si on fait des parties un peu dans les aigus. Genre... Tu peux me le mettre un peu plus exagéré ? Ou alors tout simplement régler un petit peu plus léger et pour élargir le son, que ce soit en clair ou en disto. JHS là. Très bien. C'est la gamme Free Series de JHS, je vous conseille d'aller regarder. Pareil, on va mettre quasiment toute la gamme sur Palf, je trouve que c'est bien. C'est une gamme de pédales entre 100 et 150 euros. J'adore le design. Elles sont classe. Ouais. Elles sont pour vocation d'être simples, mais elles sont très fonctionnelles. Hein. Ah, et ça marche de ouf. Donc, ouais. Voilà. Allez faire un tour. Ouais, complètement. Ouais, on va les rajouter sur Palf, là, la Free Series. En plus, il y a des nouvelles qui vont arriver. Genre quoi ? Une reverb, des choses comme ça. Ah. Ouais, je peux le dire parce que quand on aura sorti la vidéo, ce sera déjà sorti. Pourquoi une reverb aussi pétée en rock ? Quel style de morceau ? Bah, si on fait de l'ambiance, tout simplement. Ok. Thank you.
Ouais. C'est beau ça. Bah ouais, ça marche. Le côté ambiante, tu m'as bien bluffé. Ça marche bien à la base ça. Bah ouais, toujours. Moi j'utilise la Afterniff de Earthquaker pour faire ça. Ouais. Mais ça marche aussi extrêmement bien. C'est bien connu l'Afterniss pour ça, mais je trouve que Walrus, niveau reverb, ils sont au-dessus de pas mal de monde quand même. Ouais, ils gèrent. Ils gèrent grave. Ouais. Bon, Earthquaker, c'est plutôt bien là. J'ai quelques pédales d'Earthquaker qui vont arriver. On testera ça au prochain tournage. J'aime beaucoup aussi. Ouais. Ça me donne bien envie. Avec la Disto, ça marche bien aussi. Hein.